Bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel sur 60 secondes. Je vais reprendre la partie que j'ai faite la dernière fois. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo dont vous voyez le lien qui s'affiche actuellement. Et pour rappel, c'était une vidéo en mode Tsar Bomba. C'était un peu compliqué. À un moment donné, j'ai vraiment cru que tout le monde allait mourir déshydratation. Et au dernier moment, il y a des gens qui sont venus qui m'ont donné de l'eau, ce qui fait que ben, tout le monde a pu survivre. Alors, aux dernières nouvelles, nous avions Dolores qui était dans les terres dévastées pour récupérer un peu de matériel et, si possible, d'eau pour la famille. Notre petite Mary-Jane était malade et fatiguée. Et tout le monde a faim, en fait. Ah non, tout le monde sauf Ted. Donc, on continue. Et je vais donner à manger à mes deux enfants. Sachant que là, ça commence à devenir assez problématique. Bah écoutez, c'est parti. Alors, voilà, une des règles que j'avais dit lors du lancement de cette partie, vu qu'il y a des nouveautés, hein, comme par exemple, bah, je sais pas, le cadenas, il y avait la valise qui permettait d'avoir plus de place en expédition, c'était d'accepter tout ce qu'on me propose. Voilà, comme ça, au moins, je vois jusqu'où je vais. Donc, voilà, il nous demande si s'il y aurait possibilité d'ouvrir la porte juste pour, voilà, respirer un peu l'air frais, vu que, bon, ben, voilà, la claustrophobie, ça n'aide pas vraiment. Bon, moi, je dis ouvrons. Ok, on va y voir. Alors, elle tremble, et lui aussi, il est malade. En fait, bon, si ça se trouve, cette vidéo va être ultra rapide. J'aurais peut-être dû continuer la vidéo précédente, parce que je l'avais arrêté en me disant, ouais, faut pas que ça dure trop longtemps et tout. Enfin, voilà, et là, ça se trouve, bah, dans 2 minutes, ça sera terminé. Enfin, j'espère pas, mais bon. Ok, du coup, ouvrir la porte et laisser entrer l'air contaminé était une très bonne idée. Et du coup, voilà, ça nous a tous rendus malades. Est-ce qu'on pourrait partager un peu d'eau? Voilà. Et Ted a encore faim. Et Ted a été infecté. Voilà. Donc on va donner là à tout le monde. Lui, il a faim. Le problème, c'est que j'ai plus de medkit pour les soigner. Donc c'est un peu la misère. Il y a des rodents. Je trouve plus le mot là. Ces trucs-là. Comme ça là. Avec des oreilles, des petites dents là. C'est quoi le mot français? Comment? Ça va pas venir. Des rongeurs, voilà. Des rongeurs mutants ont attaqué nos. Nos. Ça revient plus, voilà. Nos provisions, voilà. Et on sait pas si c'est des rats ou des lapins féroces ou des hamsters mutants. Donc en gros, le problème c'est que Dolores est sortie avec la hache. Alors ça veut dire que ils vont bouffer tout ce qui me reste comme nourriture, c'est ça que ça veut dire? Eh bah c'est bien ce que je. Oh! Ah ouais bah. Ah, bah lui va mieux, tu sais pas pourquoi, hein, voilà, il a peut-être bouffé un rat mutant, ça l'a rendu mieux. Par contre, elle, franchement, elle est au bout de sa vie. Hein. Alors là, bon, bah lui aussi. Par contre, voilà, voilà. Ok, donc on a perdu la bouffe, tout le monde est fatigué, malade, ou. Ah non, sauf lui, ou problématiquement. Compromis. Alors, voyons voir. Et. Oui, d'accord. Alors, du coup, en gros, l'armée nous dit que. Il faudrait qu'on ait des armes. Bien sûr, je n'ai pas d'armes. Bon, tant pis. Enfin, peut-être pas l'armée, j'ai vu qu'il y avait marqué speaker, en fait, c'est la personne qui parlait à la radio. Dolores ne revient pas. Je commence à paniquer. Ah, peut-être qu'elle était partie jour 25. Ouais. Alors lui, oh là là là. Oh là 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 là. Bon, bah, je crois que là, cette partie va être ultra rapide. Ouais. Ben là, je le vis très mal. Tu vois, par exemple, c'est là. Oups, pardon. C'est là qu'ils devraient mettre en fait les états. Comme ça, moi, c'est plus pratique. Donc, de toute façon, personne n'est. Voilà. Là, j'ai l'impression que chaque clic va. Oh là là, des tentacules, des monstres de Mars. Oh, oh non. Il y a des dents, elles sont énormes. C'est pas possible. Là, j'ai l'impression que chaque clic va conduire à la mort. Oh, elle revient. Oh, elle a ramené de la soupe. Parfait. Ouais, mais là par contre ils ont tous soif et là je le vis très mal parce que si ça continue comme ça ils vont tous mourir. Aïe 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 aïe. Ouais. Ah elle a remis la valise, c'est parfait. On a perdu la hache, c'est pas grave. Donc, je crois qu'il a soif. Elle a soif. Alors, elle est plus mal en point, donc tant pis, je vais la laisser mourir.
Et elle est fatiguée. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais donner à boire à lui et à lui. Comme ça, j'ai plus d'eau et je donne à bouffer à tout le monde. Elle est, pardon, elle est condamnée, mais bon, voilà. Juste par principe, je lui donne. Ah. J'ai envie Maridiane dehors, hein. De toute façon, elle va mourir. Donc comme ça, au moins tranquille. Ah non, mais c'était pas une expédition. C'était pas une expédition. C'était juste, j'ai pas lu. Qu'est-ce que c'est que ça? Foutu. C'était juste pour dire en gros fouiller dehors, j'ai pas lu en fait, voilà. Bon voilà. Ah, mais je croyais qu'elle avait soif, je comprends pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà, donc il y avait quelqu'un dehors, ok, blablabla. Donc il y avait une nana, ok, elle a combattu les bandits qui bloquaient la sortie. Les enfants, siblings, je sais plus si c'est les enfants ou les frères et sœurs. Bon, bah, ils étaient heureux d'être réunis, mais assez confus, blablabla. Ok, bon, on s'en fout, parce qu'au final, Marjane est revenue, tout le monde va bien. D'accord. Ok, bon, bah, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire que. Aïe! Ah, que ça. Bon. Et bah, qui devrait aller dehors? Bah, je sais pas, on verra bien. Je vais envoyer Marjane. Alors. Donc Dolores n'était pas contente à propos de l'incident de la porte de l'autre jour. Et du coup, elle devient très hostile. Est-ce qu'on devrait intervenir? Oui, c'est parti, c'est parti. Blablabla. Voilà, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Alors là, ça a pas du tout. Genre I2, quoi. Alors là, terminé. Terminé. Là, à chaque bouton, ça sera la mort. Non, mais de toute façon, si c'est marqué déshydraté, non, elle a soif, non, lui n'a pas soif. Voilà, non, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais genre, à la déshydratation, ça va être la mort, quoi. Ah ouais, de toute façon, personne ne peut sortir, vu l'état dans lequel ils sont. Je sens que la fin de la partie approche rapidement et on va se télescoper. Vite, vite, vite. Donc, tout le monde a faim. Ah non, juste. Ah, c'est Dolores et Marie-Jane. Et de toute façon, j'ai plus d'eau, hein, donc. Voilà. Ça sent pas bon. Bah, j'organise une sortie au cas où, hein, mais bon. Ok. Donc, oh, Timmy. Il a toujours été un peu sauvage. Ok. Donc, en gros, il a vraiment besoin de sortir pour courir. Et il demande s'il peut y aller, juste pour un petit. Oh, je dis oui. Ça se trouve, il va jamais revenir, mais c'est pas grave, de toute façon. Voilà. Ah, il est revenu. Ah, il a trouvé une valise. Ah, il a trouvé ça. Ah, putain. Ah, voilà, ça c'est trop bien. Ah, bah putain. Alors, lui, franchement, je l'aime, mon fils. Je l'aime. Ça tombe à pic. Allez. Ouh là là. Alors, ça c'est trop trop bien. Franchement, alors là, le combo lampe, map et radio. Alors, ça c'est juste par. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est Byzance pour tout le monde. Tout le monde est malade, mais c'est pas grave, on va dire que ça passe. Par contre, je peux soigner personne, donc là, ça craint quand même. Ouais. Là, il faudrait vraiment que je trouve des médocs. Je fasse un truc, quoi. Bon, ben, voilà. Voilà. Ouais. Mais là, le problème, c'est que plus personne ne peut sortir. Voilà, c'est l'armée qui a recommencé à faire des émissions radio. En gros, ils demandent un représentant de chaque groupe de survivants pour se réunir. Et comme ça va permettre d'évacuer les gens. Oh, purée, ils sont trop malades pour sortir. Ah, ça c'est abusé quand même. Ça craint quand même. Ça, c'est vraiment dommage. Ok. Alors, voilà, bah oui, en gros, le risque ne valait pas la peine. Mais bon, moi je voulais quoi. Hein? Mais bon, peut-être qu'on aurait été défoncé par l'armée. Genre, ouais, vous êtes trop moche, bim bim. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont entendu des sons qui venaient derrière la porte. Et ils ont trouvé encore une. Ah ouais, mais alors, la dernière fois que j'avais ouvert une valise, elle avait explosé, genre attentat. Ça va pas le faire là, non? Enfin, c'est ça, je suppose. Voyons voir. Bon, eh bien écoutez, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que. Enfin, je sais pas. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok, donc c'est bien ça, ça a explosé. Et mais en fait, personne n'a été blessé. Je crois, hein.
Ah non, c'est Ted qui est blessé, j'avais pas vu. Ah oui, effectivement. Bah voilà. Effectivement. Donc c'était un attentat. J'ai pas vu. Donc je clique là. Elle a soif. Lui, il a la totale. Il a soif. Non, il a juste pas faim, ça serait drôle. Allez, je leur donne à boire à tous et c'est la fin là. Blam. Ah voilà. Bah, c'est ce que je disais en fait. Hein. C'est vrai que bon, sur le concept, c'est sympa, mais ça quand même. Ça commence à devenir un peu répétitif et c'est vrai que bah on peut rien faire quoi. Moi je veux vraiment qu'ils sortent et on me dit non t'as pas le droit. Et bah, je me dis je m'en fous, vas-y, prends le risque de sortir, fais des choses. Et bon c'est vrai que ça manque d'objets, ça manque d'objets. Ils auraient pu prévoir encore plus d'objets depuis cet été quoi, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, bah lui la varicelle, voilà, laisse tomber. Voilà. Le problème c'est que voilà, là je suis obligé juste de. Enfin, ils peuvent pas sortir, donc bah, ça va être la mort dans l'âme qu'ils vont mourir les uns après les autres sans pouvoir aller même chercher un med kit quoi. Voilà. De toute façon là ils ont plus d'eau, ils ont plus soif. Ok. Ah si, il y a quelqu'un qui s'est soigné de sa maladie. Non? Si c'est elle, voilà. Ah bah c'est cool. Ok c'est cool. Bah peut-être que je peux l'envoyer dehors alors. Non bah toujours pas. Tout le monde est fatigué, je peux rien faire. C'est la PLS, comme ils disent les youtubeurs actuellement. Alors, voyons voir. Bah, de toute façon, voilà. Hein. Je crois que là, j'ai pas trop le choix. Ça va être. J'ai pas vu s'ils avaient faim en fait. Voyons. Hungry. J'ai pas vu. Si, hungry pour elle. Et lui, hungry. Donc, je vais donner à bouffer à mes deux enfants. J'ai pas fait ça. Voilà. Moi j'organise une expédition au cas où il y en a un qui se. Voilà. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Des visages familiers. J'ai dû dire des faces amicales, n'importe quoi. Ok. Ok. Bon allez-y, hein. Vas-y, claque-toi. Hein. Vas-y, utilise ta hache et blesse-toi. What? D'accord, donc c'est la nouvelle déco à la mode, le cadavre du papa dans le salon, la maman complètement crazy, la fille complètement crazy, alors c'est genre famille folle dingue, le retour et la vengeance, et voilà, alors, déshydraté, malade, la totale, là, ouais. Ah oui d'accord, j'avais même pas vu, il s'est mis le pot de soupe sur la tête, et il a carrément déchiré son teddy bear. Ah oui d'accord, mais là c'est la fin du jeu, non? Enfin bon, là ils sont déshydratés, genre ils meurent, hein, non? Voilà, donc Ted a été malade pour trop long, pour trop longtemps, et du coup ben il est mort pendant son sommeil. Au moins c'est cool. Il a pas souffert. Donc. Ok, voilà. Donc Maria n'arrête pas de. Voilà. Bon en gros ils disent voilà, il faut absolument que ils boivent. Donc là je pense que je vais leur donner. De la soupe à tous, histoire de voilà, histoire de dire que ils mourront pas le ventre vide. Et là normalement c'est marqué the end. Non? Ah. Donc celle-là c'est Mary Jane. Elle a dit c'est bon, famille de merde, je me casse. Je préfère mourir dehors, dévoré par les rats, que subir une fois de plus votre compagnie. Et là par contre là ça pue. C'est dommage, c'est dommage, c'est très dommage. Ben voilà. C'est ça, donc qu'est-ce qu'ils disent? Quand la maladie de Marie-Jeanne est devenue de pire en pire et que nous n'avons pas été capables de lui donner des médicaments, elle a décidé qu'elle allait se soigner à sa façon. Du coup, elle est partie en laissant un petit mot qui dit qu'elle ne reviendra pas. Et voilà, c'est terminé. Je pense que voilà, je vais donner à manger à mon fils, parce que voilà, c'est tout ce qu'il mérite. Je prépare l'expédition Kazoom, mais ils sont décédés. Et voilà, c'est. C'est la fin de cette partie, mes chers amis. Oh bah non. Ah non, mais déjà qu'elle n'était pas grosse, mais alors là, c'est la momie, quoi. Bon, c'était. Bah voilà, hein, je m'y attendais, hein, je voulais que la partie soit rapide. Elle l'a été, hein, voilà. Ça rebombe, hein, c'est bien, pourtant, j'avais bien commencé, mais c'est vrai que. Ah là 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 là. Alors voyons voir. Bon, ok, donc voilà.
Timmy est devenu tellement fou que, enfin, tellement fou à cause du manque d'eau. Donc, à un moment donné, il a ouvert la porte et il est parti sans regarder derrière lui. Et a priori, il ne va jamais revenir. Si seulement nous avions quelques gouttes d'eau, nous aurions pu éviter ce qu'il s'est passé. Dolores est morte de déshydratation dans la nuit. Elle n'a pas réussi à s'en sortir. Voilà, c'est nos derniers mots. Chaque personne qui, enfin, toute personne qui lira ceci, et voilà, c'est carrément grisé. Donc, on a tenu quand même 42 jours en mode. En mode sarbomba, en mode difficile, en acceptant tout ce qu'on nous proposait. Donc, moi, en général, dans les jeux vidéo, je suis plutôt du genre prudent, je n'aurais pas cliqué sur tout, mais bon, voilà, ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses. Au passage, je ne sais toujours pas à quoi ça sert le cadenas, donc on verra. Et puis, peut-être que je referai une partie à l'occasion si vraiment celle-ci vous a plu. C'est vrai que c'est marrant, c'est juste un peu long, quoi. Mais c'est vrai que c'est. On est curieux, quoi. On est curieux de savoir ce qui se passe. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je refasse des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des vidéos à venir. Et puis, comme d'habitude, je vous dis merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, à très bientôt, hein. Voilà, c'est ça. You perished, je sais, j'ai perished. C'est la vie. Au revoir!